le supercondensateur 2,7 V 500 farads se recharge très rapidement. Le supercondensateur fonctionne comme une batterie. Son avantage, le temps de recharge en quelques secondes. Aucun risque d'explosion. J'ai rechargé le supercondensateur de 2,7 V à une tension de 12 V en courant continu. Il a gonflé et a perdu son efficacité. Je décharge très vite maintenant. Ne dépassez pas 2,7 V. Tension maxi. J'ai déroulé plus de la moitié du supercondensateur et il affiche moins de 1 V sur le cadran. À l'intérieur du supercondensateur, feuilles de papier et de la poudre de charbon actif. Enroulé. Avec trois fines bandes d'aluminium reliées à l'électrode positive et trois fines bandes d'aluminium reliées à l'électrode négative. J'ai branché le supercondensateur sur une ampoule 12 V. Rien, aucun éclairage. Je l'ai branché sur un convertisseur 12 V vers 230 V. En 40 watts, l'ampoule éclaire. Incroyable. L'ampoule éclaire pendant 2 minutes et 30 secondes. Dans une de mes prochaines vidéos, ma valise de supercondensateur équipée d'un booster. A plus !